Provigo, écoute, chez Provigo, mais ben là, tu vois, les poitrines de poulet, ils sont pas, c'est le mot, c'est sûr, là. Ou les hauts de cuisse, par exemple. Eux autres aussi, là, ils ont les hauts de cuisse, mais à 3,99. Ah, là, ils me font plaisir. 3,99 la livre, ou si tu peux faire 8,80 le kilo. Ben là, hein, pour du vrai suprême de poulet, tout désossé, pas de peau, ou bien des hauts de cuisse, tout désossé, pas de peau. C'est sûr que c'est. Tu sais, comme je te le dis tout le temps, c'est la même bête, mais c'est deux viandes différentes, deux textures différentes. Il y en a un qui est plus gros que l'autre. C'est sûr. J'adore personnellement les hauts de cuisse, là. Hein? Moi, je fais ça mariner ça, là, mettre ça dans le four, là. Ah, oh, tellement bon, tellement bon. C'est facile à faire, là. C'est super facile. Fait que je te conseille vraiment. Écoute, il y a plein de recettes. De toute façon, tu sais, je vais en faire de plus en plus de recettes, là, c'est sûr. Mais quand même. Regarde sur Internet, là, il y a des belles recettes, ça vaut la peine. Moi, je te donne, là, dans le fond, la protéine à aller chercher chez Provigo. Là, c'est sûr que les hauts de cuisse, c'est là qu'il est le moins cher cette semaine pour les hauts de cuisse. Qu'est-ce qu'on trouve aussi chez Provigo? Ah oui, les crevettes. Crevettes, hein, ça, là, pas cher, 5,99 le sac de 300 grammes. Puis c'est des 20-30. C'est pas des 20-40, c'est des 20-30. Donc, un peu plus uniforme. Plus grosse aussi, parce que 40, ça, c'est quand tu compares une 20 à comparer d'une 40. Il y a une grosse différence. Puis souvent, ils sont dans le même sac. Puis là, tu sais, c'est pas équitable, là, comme on dit, là, tu sais. Souvent, il y a plus de 40 que de 20. Mais là, en tout cas, à 20-30, il n'y aura pas de 40, on s'imagine. Donc, ça a bien du bon sens. Puis 300 grammes pour 6 piastres, là, ça te fait un souper. Avec ça, là, des légumes, un petit sauté de crevettes, là. Super avec des bons légumes. Tu iras faire derrière ma petite recette de choux de Bruxelles. Là. Je m'en sors encore faite la semaine passée. C'était tellement bon, tellement frais. Cette différence que cette fois-ci, c'est que j'ai fait une petite pâte. Parce que mon gars, il me disait, oh, pourquoi il n'y a pas de pâte? Il y a juste des légumes. C'est comme ça. Ouais, je sais. Fait que, moi, j'ai fait une petite pâte. Mais tu sais, des petites pâtes, là, comme des vermicelles là, tu sais, de riz. Là. Tu t'es enroulé, c'est des paquets de rouleaux. Il y en a 8 dedans. Là. Tu en prends quelques-uns. Ça va être dans l'eau 3 minutes. Sors ça, fait, tu mélanges ça avec tes légumes puis tous tes carottes. Non, vraiment, c'était super bon. Puis je te le conseille vraiment. Chez Provigo, qu'est-ce qu'on trouve aussi? Écoute, le saumon fumé. Ah, hey, si je t'en parle, ça fait longtemps que je t'en parle de mes rouleaux de saumon fumé à la crème. Là, il faut que je te fasse la recette. Il faut que je te montre ça. Il y a une petite technique à aller chercher là. Quand tu vas découvrir comment faire ça, tu vois que c'est super. Fait que, achète-toi-en. Mets-toi-en dans ton congélateur. Quand je vais faire la recette, tu vas l'avoir pour pouvoir en faire. Parce que c'était à 9,99 le 300 grammes, c'est vraiment pas cher. Ça vaut le double. C'est cher du saumon fumé. Mais à 10 piastres, là, oh, là, ça vraiment, ça devient comme économique, là, abordable. Super, écoute. Un affaire comme ça, là, à deux, là, avec la crème, là, la crème avec des petites biscottes, là, ça me fait souper. Tu sais, des fois, samedi soir, avec un petit verre de vin, là, on veut pas se faire le gros souper, là. Tu manges ce petit appetizer, là, écoute, c'est délicieux à chaque bouchée. Il y a un petit goût d'air vanillé écœurant, là. Juste ça fait ton speed, là, c'est sûr. Là. Fait que c'est chez Provigo pour qu'il y ait du saumon fumé 300 grammes à 9,99, là, je te conseille vraiment. Écoute, c'est ça qui est ça pour chez Provigo cette semaine. Écoute, j'aimerais ça en profiter, là, puis je te conseille. On est-tu chanceux, là, d'avoir des gens en ce moment qui travaillent dans les épiceries? Même mon propre fils, il est un emballeur chez une de ces épiceries-là. Puis vraiment, c'est sûr, ça m'inquiète toujours un peu, mais quand même, il faut qu'on continue. Puis c'est nos héros, comme dirait M. Legault. Puis vraiment, là, moi, quand j'y vais, je manque pas de dire à la caissière, hey, merci d'être là. C'est gentil, merci, fais attention à toi. Tu sais, un petit sourire, être patient, tu sais, de comprendre qu'elle, là, elle envoie, là, des. Et ça arrête pas, là, tu sais, dans une journée, fait qu'elle est à risque tout le temps, tout le temps. Puis ça, ben écoute, ça nous prend ces gens-là pour qu'on puisse continuer à faire l'épicerie, nous autres, là, parce que si tout le monde qui travaille à l'épicerie, ils sont malades. Même s'ils ne veulent pas faire mes épiceries, il faut que ça prenne du monde. D'ailleurs, tu sais, là, avec toutes les mesures qu'il y a, il y a bien des gens qui cherchent de l'emploi rapidement. Je sais que dans les grandes surfaces, comme les Provigo, IGA, partout, les quincailleries, ils cherchent du monde. Fait que si tu veux te dépanner, attends que tu reprennes ta job normale, ben des fois, ça peut-être te dépanner. Fait qu'écoute, regarde ça, hein, c'est sûr, mais reste surtout, protège-toi. Puis profite quand même de ce temps-là. Hein. Dans chaque épreuve, il y a des choses à apprendre. Puis c'est ça qu'on est en train de faire, là. Fait que sur ça, je te souhaite bien sûr une belle journée, une bonne semaine. Puis surtout, je t'envoie un beau bisou de papa popote pendant que je peux. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de papa popote.